Donc, lorsqu'on lance dans le système, nous avons cette fenêtre de connexion qui apparaît. On va tout de suite se connecter avec les identifiants administrateurs. C'est admin et le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on s'authentifie. OK. Là, nous sommes dans notre espace de travail. Ça, c'est la fenêtre principale. Ici, nous avons les différents raccourcis vers les menus. On a le menu accueil, là où nous nous trouvons. On a le menu des dotations des articles, l'édition du personnel, la gestion du stock, l'édition des fournisseurs et la rubrique administrateur. Et on a essayé de créer des raccourcis très rapides parce que voilà, on sait bien que c'est une plateforme de dotation. Donc du coup, pour faciliter l'utilisation, l'utilisateur peut venir directement cliquer ici sur dotation pour engager une nouvelle dotation ou alors créer ou éditer un article, gérer le stock ou bien gérer l'approvisionnement. On a apparemment également certains raccourcis ici en survolant avec la souris, on a les différents détails. Vous avez la possibilité de changer le thème, le fond de l'image de fond en cliquant ici. Donc si je clique là par exemple, je peux venir dans la bibliothèque et je sélectionne une image de fond. Ok, je peux prendre celle-ci, je double-clique. On a une image de fond, c'est pour rendre le travail beaucoup plus convivial. Donc premièrement, on va commencer par la gestion du stock. Parce que pour faire une dotation, il faut du personnel, il faut du stock. On va commencer.